La guerre de succession au Congo. Christelle Sassou Nguesso, la main sur la gâchette. Difficile de ne pas voir ce qui se trame dans les coulisses du régime du despote Denis Sassou Nguesso. La mise au placard de certaines figures du crime organisé comme Jean-François Ndenge est un prélude à une guerre de succession qui ne dit pas son nom. La police, la gendarmerie et bientôt le ministère de la Défense et les renseignements. Christelle Sassou Nguesso, qui est née d'une mère étrangère, ne manifeste aucune attache pour sa famille paternelle. Moi, pour les membres du PCT qui ont porté son père au pouvoir. Le fils du dictateur congolais veut tout et tout pour lui, quitte à sacrifier certaines têtes au sein du clan. Il est en train d'orchestrer des plans sordides contre certains caciques du PCT qui refusent de se soumettre à sa volonté. Le nom de Pierre Ngolo revient très souvent. Une succession dynastique se prépare au Congo. Des mercenaires venus de l'étranger ont infiltré tous les corps de l'armée et de l'administration publique du pays. Les accords secrets signés entre le Congo et le Rwanda s'inscrivent dans le cadre du projet politique du président Denis Sassou Nguesso de préparer une succession dynastique à la tête de l'État congolais. En effet, le chef de l'État congolais caresse le rêve de fer de son fils, Denis Christelle Sassou Nguesso, son dauphin. Cette perspective se heurte malheureusement pour lui à une très vive opposition de la famille régnante, de la majorité des membres et cadres du PCT, parti au pouvoir, et de près de 99% des populations congolaises. Devant ce rejet quasi général du dauphin désigné, le chef de l'État congolais a décidé de passer en force. Dans cette perspective, il a mis au point un plan de guerre en vue de propulser son fils à la barre. Dans ce plan, le Rwanda est sollicité pour aider militairement Denis Christelle Sassou Nguesso à prendre le pouvoir au moyen d'un coup d'État. Avec le soutien actif des mercenaires rwandais installés à Oyo, Inoni, Falaise, Lifula, Maluku et Brazzaville. Les accords secrets signés entre le Congo et le Rwanda visent l'atteinte de cet objectif stratégique. Comme chacun le sait, l'objectif stratégique de l'action politique du président rwandais est de créer un Tutsi Land dans la région des Grands Lacs et en Afrique centrale. Plus concrètement, il s'agit de construire un grand empire Ima Tutsi qui engloberait le Rwanda, le Burundi, les RDC, le Congo-Brazzaville et l'Angola. Pour le président rwandais, cet empire n'a pas de frontières. Sa frontière est l'horizon. Sa stratégie repose sur quatre piliers. L'infiltration des institutions publiques de pays africains cibles par ses experts en espionnage et les girondelles rwandaises, belles et charmantes filles Tutsi, du service secret extérieur rwandais rompu à l'art de la séduction, comme c'est le cas en RDC, en RCA, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, en Afrique du Sud, en Angola, etc. Christelle Sassou Nguesso, qui considère le Congo comme un legs familial, a commencé le grand nettoyage au sein du régime de son père. Il veut d'un contrôle total de tous les postes stratégiques afin d'avoir une mainmise sur tout l'appareil de l'État, d'où le remplacement progressif dans la police, dans la gendarmerie. Ses nouveaux généraux nommés sont d'une même obédience que lui. Il lorne déjà le ministère de la Défense. La modification de la constitution congolaise pointe à l'horizon, selon les informations à notre disposition. Christelle Sassou Nguesso nourrit une dent dure à l'égard de certains membres de sa famille biologique, qu'il connaît à peine, qui visiblement s'oppose à une succession dynastique dans le pays. Denis Christelle, c'est clair, tous à la hypocrite. On a déjà actuellement à se proclamer à Brazzaville, il est motaku remplacer papa naie. Oui, au cas où aujourd'hui papa zate, là il est né qui sait motaku remplacer papa. Maintenant, tu m'as envoyé message ou anaté? Non, il est dans la zone de Sayot. Ok. Méthode du haut, il y a zone même ayango, a zone même on a méthode du mogo ya mabe. C'est le peuple motu a choisi sa moto à Kokambaye.
Mais il faut que vous ayez un peu. Pourquoi dans l'objet en haut? Parce que ngai na Denis Christel, naza ko insisté ko loba yango, tous alaka quelque part, pour na kutala, pour analyser, nenge ni na koko renverser tata na ye, Sassou Nguesso po ya zo a pouvoir. Tous alaka na imenga na ye bakate, ki réunion toke kokota, ezali po na yango. Mais après, on a quatre déjà. Et tant que tous en plein sens de travail, tous en solo là, ne y a zo expliquer mission na ezali bo ezali bo. Nenga suko na sutuki na kati ya réunion na sutuki parce que moi je peux pas trahir Bantou, moi je peux pas trahir le président Sassou Nguesso, je peux pas. Baloba baloba sobi moto. Après ça qui on lit pas, il faut à la reconnaissant. Moi je peux pas koko ta réunion moko pour na ko trahir président Sassou, je peux pas. Na ko sala yango te. Mokolo akosa la kou na ye, bango bako assurer sécurité na ye, parce que aibi ke ba soda ya Congo Brazzaville bako ko accepte yete azan na bokonzi. Christel Sassou Nguesso, un maçon qui construit peu à peu son temple avec des outils qu'il devrait emprunter ailleurs. La frustration, la division, un sentiment d'ingratitude pour ceux-là même qui ont porté à bras le corps le combat qui a permis à son père, Denis Sassou Nguesso, de revenir aux affaires. Un sentiment de déjà-vu se dessine. Le Gabon, la Guinée équatoriale, deux sources d'inspiration. Christel Sassou Nguesso, le fleuve ou l'océan. Regardez bien, depuis que Sassou est revenu par la guerre, aidé en cela par Chirac, la France... qui ont utilisé, comme d'habitude, hein, les Noirs contre les Noirs, donc, ils ont utilisé l'Angola, utilisé les Tchadiens, utilisé les Sénégalais, enfin, ils ont utilisé pratiquement tous les Noirs, tous les Africains pour ramener Sassou au pouvoir. Regardez donc Sassou, depuis son retour au pouvoir par ces moyens-là, de la guerre, plutôt que de se faire humble, parce que le sang des Congolais a coulé, non, il a choisi donc de se sentir grand conquérant. Et Sassou fait en sorte que maintenant, vous avez une armée qui est mbochisée, hein, mbochi donc, dans l'armée, les postes stratégiques appartiennent à mbochi,